Bonsoir à tous, bienvenue au stream du vendredi soir dans l'émission How to Play. Ce soir, une émission particulière puisqu'elle va être consacrée à un personnage considéré comme le plus mauvais du jeu. Il s'agit de Akan. Alors, je vais essayer de vous expliquer le concept du personnage et vous verrez qu'en fait, c'est à la fois le personnage le plus mauvais du jeu, très certainement, mais également le perso le plus fort. Et c'est très difficile pour Capcom, du coup, de pouvoir vraiment balancer, équilibrer ce personnage à cause de cette faculté à être à la fois le plus mauvais et le meilleur. Donc, comme les émissions à chaque fois du vendredi, vous savez, la première partie est consacrée donc à l'explication d'un personnage, donc ce soir à Cannes. Ensuite, il y a les défis de la semaine. Donc, deux joueurs se sont proposés à jouer ce soir contre moi, un contre Akan et un autre contre mon bison. Ensuite, j'ouvre un lobby ouvert à tout le monde et j'analyse, je vous aide à vous améliorer en vous donnant quelques pistes de réflexion sur la façon de jouer vos personnages et également corriger vos erreurs. Voilà. Ce soir, je sais qu'il y a foot, donc il n'y aura pas forcément beaucoup de monde. Mais c'est pas grave, il sera aussi en VOD, ça sera uploadé sur YouTube, donc pour ceux qui veulent plus tard apprendre à Cannes, voilà, c'est pas dérangeant du tout. Allez, on va commencer directement avec évidemment la salle de training de temps infini qui va me permettre de vous montrer comment fonctionne à Cannes. Alors, notre petit Akanunu. À Cannes, ce qu'il faut savoir déjà, c'est que c'est un personnage du type chopper. Donc évidemment, ça veut dire qu'il a des 3-6. Et qui peut donc ouvrir la garde assez facilement puisque une chope par définition c'est un blocable, on ne peut pas garder. Il peut également faire des coups en quart de cercle, la fameuse glissade de la canne. Alors évidemment, selon la distance, la petite va pas loin, la moyenne va un peu plus loin, la forte va encore plus loin. Après cette glissade, il y a deux follow-up possibles. Si vous appuyez sur point, vous allez pouvoir faire une glissade par-dessus avec un petit setup derrière. Si vous appuyez sur pied, vous pourrez immédiatement, hop, vous voilà, forcément traverser. Alors moi je bourre la touche, hop, directement vous wheelez. Alors, maintenant on va passer aux choses intéressantes avec Akan. Donc évidemment, tout le principe du personnage, c'est l'huile. Je wheel mon corps. Donc évidemment, il y a l'huile à la version petit pied. Il y a l'huile à la version EX, il y a l'huile à la version moyenne, il y a l'huile à la version forte. Évidemment, non seulement la durée du huilage diffère selon la force choisie du coup, mais également la durée de ce coup spécial qui va rester un certain nombre de frames. Alors je ne sais plus vraiment comment ça se calcule en secondes, hein. Moi je n'ai pas appris par cœur, mais on sait que, évidemment, le grand va durer beaucoup plus longtemps, peut-être en vingtaine de secondes, que le petit qui durera quelques secondes seulement. Donc en fonction de la distance de l'adversaire, si c'est après qu'il soit par terre par exemple, c'est le moment de s'enfuir et de faire un gros. D'ailleurs l'un des moments les plus appropriés pour faire le gros huilage, c'est après une ultra par exemple. Là vous pouvez. L'idéal de la version EX, c'est évidemment qu'elle est cancellable. C'est-à-dire que vous vous en EX, et dès que vous voyez que le personnage en face vous embête, hop, vous cancellez par la glissade. La glissade que vous pouvez retirer tout de suite en appuyant sur une deuxième touche, n'importe laquelle. Si vous restez, voilà, vous annulez tout de suite. Vous voyez, on a le choix. Ce qui est pratique avec cette EX village, c'est qu'il est anti-boule. Alors, regardez, je vais vous montrer. Très fort, hein, je sais faire des Hadoken. Apparemment, je sais faire village. Voilà, vous voyez, hop, ça passe à travers. Donc, ça, c'est pratique, évidemment. L'un des meilleurs moyens de Akan pour punir les boules, évidemment, ça va être la glissade EX. Alors, la glissade EX, hein, particulièrement, les autres peuvent, mais il n'y a que la version light qui peut, voilà, qui va passer dessous. La version moyenne et fort ne passe pas dessous. Elles sont touchées au niveau des pieds. Regardez, hop, vous voyez, le pied touche. Par contre, la version petite, c'est bon. Après, il faut juste le faire à bonne distance. Voilà. Donc la version petite, sans huilage, même, peut passer dessous. Mais bon, l'idéal, évidemment, c'est les EX, hein, c'est fait pour. Donc autant dire que c'est un personnage qui consomme énormément de barres d'EX. Si vous voulez vraiment bien jouer à Cannes, vous allez vraiment utiliser beaucoup, beaucoup, beaucoup de barres d'EX. Mais,
Capcom a été très gentil avec notre cher Akan, et je vais vous montrer pourquoi. Alors, on va consommer toutes les barres. Une barre, deux barres, trois barres, quatre barres. J'aurais pu faire la super, mais bon, j'ai pas pensé. Regardez à quelle vitesse il peut monter sa barre de super. Je vais faire un 360 kick, qui est cette manip. Vous voyez, ça c'est un 360 kick. Que je vais annuler. Alors. Regarde, j'en ai déjà fait 3 dans le vent, enfin, que j'ai raté, mais... Vous voyez, 4, j'ai une barre DX, donc autant dire que ça se charge extrêmement vite. Donc le problème de la barre DX, en fait, c'est pas un vrai problème, parce que dès que vous avez besoin, voilà, vous faites juste ça, vous restez appuyé, la technique c'est de faire le 360K, vous restez appuyé sur K, vous voyez, il reste longtemps, hein. Vous restez appuyé, et après, il suffit de faire, évidemment, les 3 points vers le bas. Oui, on n'a rien de temps, vous avez vos barres DX. Hein. Alors ça, la gestion des barres DX de Akan, elle est un peu comme Rose, elle est vraiment très très forte. Et plus vous restez longtemps, regardez. Et hop, ça charge un peu plus. Si vous le faites très vite, ça charge un peu moins. Donc évidemment, c'est excessivement pratique de pouvoir augmenter ces barres DX. Sans compter évidemment tous les coups, les slides, le huilage, tout ça monte la barre DX. Donc vous allez vite avoir... de EX en réserve, ça n'est pas un problème pour ce personnage. En revanche, alors je vous ai dit en préambule que Akan était à la fois le plus mauvais et le plus fort des personnages. Alors pourquoi c'est l'un des plus forts? Il a une caractéristique évidemment que vous connaissez, mais vous ne savez pas forcément bien l'utiliser. Il a un pari. Un pari et un cancel. Il a droit à deux ajouts uniquement grâce à son village. Alors je vais vous montrer d'abord le pari. On va enregistrer. Un petit token. Donc évidemment il faut être huilé. Et c'est ça tout l'inconvénient du personnage. Il faut être huilé pour pouvoir jouer. Regardez, hop, focus. Et si vous l'arrêtez tout de suite par un dash avant light punch ou light kick, vous pouvez instantanément arrêter, vous voyez. Alors il faut savoir que vous avez plus de frames pour arrêter sur un dash avant que sur un dash arrière. Et c'est une explication, je vous montrerai tout à l'heure pourquoi. Vous voyez, donc là, le dash avant, c'est vraiment plus facile. Hein. Alors que le dash arrière, il faut que ce soit instantané. Si c'est pas instantané, regardez, si je le dégare un petit peu, ça marche pas. Alors que l'avant, si je le dégare un petit peu, ça marche sans aucun problème. L'avant, il n'y a vraiment aucune limite. Hein. Vous pouvez le faire jusqu'à la fin de la frame du dash avant, il n'y a aucune limite pour le cancellage. Par contre, pour l'arrière, voilà, c'est instantané. Alors ça, c'est la première particularité. Et donc, en faisant ça, je vous ai également montré la deuxième, qui est que tous ces dashs sont cancellables par un light. Dash avant, dash arrière. Alors dash arrière, ça se voit pas. Hein. C'est très peu perceptible. Il faut vraiment regarder le bout des pieds. Vous voyez que je recule d'un carreau. d'un mini carreau, d'un grand carreau d'ailleurs. Vraiment un tout petit carreau. Alors, évidemment, ça marche plus dès que je suis huilé. Il y a tout de suite la différence. Alors vous voyez, par les grands coups, ça marche. Dash avant grand coup, ça se cancel, très pratique. Dash avant HP, ça se cancel aussi. Voilà, donc ça c'est toute la philosophie du personnage. Alors, je vais vous montrer maintenant pourquoi on ne peut pas, et il y en a beaucoup qui le déplorent, mais c'est comme ça, on ne peut pas facilement canceller un dash arrière. Vous allez comprendre, c'est assez simple. Regardez, je prends Ryu. Voilà, je vais juste cette phase là. Je demande qu'il fasse pareil. Alors d'abord j'ai mis huilé pour être sûr. Voilà. Alors. Vous voyez? Alors en plus, bon j'ai un peu raté Mitzi, mais j'ai des frames d'invincibilité, ce qui fait que immédiatement, je vais pouvoir taper. Et ces frames d'invincibilité, c'est vraiment très pratique. Hein. Si le mec vous chope, c'est le meilleur moyen pour le punir. Je vais vous montrer. Alors évidemment, il faut que je sois oublié. Ah, mince. C'est pas la première chope, c'est la deuxième qui est intéressante. Voilà, celle-là. Vous voyez, j'évite la chope uniquement par un backdash que je peux canceller. Donc, autant dire que c'est un peu pété comme punition. Alors, justement, j'ai essayé de voir si je pouvais faire ça par en plus un medium.
Donc tous les coups on peut faire ça en plus avec des combos derrière, mais bon là j'ai plus de heal, évidemment ça ne marche plus. Ouais, par contre pour comboter évidemment c'est plus difficile. Faut s'entraîner, bon ça je sais pas le faire parce que je me suis pas vraiment pris le chou là-dessus. Hop et là. Alors, notre Akane, notre petite Akane. Du coup, avec tous ses outils, donc le fait qu'il ait un pari, c'est-à-dire qu'il est le meilleur anti-air du monde, hein, on ne peut pas sauter sur Akane, hein, c'est absolument impossible quand il est huilé. Je vais vous montrer, c'est juste impossible. Enregistrer, saut, vous voyez la phase de base, hein, 2, 3, il combo, 2 Ryu de base. Je me huile. Alors, j'ai raté. Hop là. Que je sois huilé, laisse-moi le temps de huiler toi. Hop. Voilà. J'ai pas encore le timing des combos. Voilà, une fois que ça rentre, ça. Vous voyez, 5 hits, hein, juste. Sur un combo. Juste sur un saut. Évidemment, vous pouvez faire light punch 360. Enfin, vous voyez, c'est. Vous pouvez même faire une petite subtilité. Vous montrer. Voilà. Ouais, trop chaud. Voilà, ça passera toujours. Ça passera, c'est quasiment garanti cette phase-là. Hein. Si le mec ne dragonne pas, c'est garanti. Alors, d'autres applications, évidemment, avec le principe de pouvoir canceller. C'est dash. Et bah en fait finalement Akane a des combos assez sympas. Alors, par exemple, c'est l'un des rares personnages à pouvoir combo après une focus level 1. Vous voyez c'est la focus level 1, tout le monde la connaît. Hop et là, 3 de combo. Hop et là, 2 de combo. Hop et là. Donc c'est évidemment extrêmement pratique. Et du coup on peut faire des combos à manger. Alors. Il faut pas que je le fasse trop vite, sinon ça sert à rien. Ah, c'est. Ah, il me faut de la barre. Jauge. Super combo infini. Voilà. Faut des barres pour pouvoir combo. Alors. Hop. Voilà. Ça, c'est l'une des meilleures punitions de Ken. Ça se voit que je joue plus du tout de perso, c'est vrai que j'ai complètement abandonné. Alors que j'aimais bien le jouer. Normalement on peut faire. Alors ce que je vais faire, c'est je vais faire en fait focus level 1. Non, level 1. Avant medium punch, glissade. C'est le combo qui fait le plus mal de Akane. Je l'ai su à l'époque où je le jouais. Alors. Hop, on cancel. Voilà. Bon, ça fait pas combo, mais vous voyez déjà. C'est ça. Voilà, c'est passé. C'est passé. Hop, et là. Alors après, pour faire après une. C'est ça, en fait je vais trop vite. Ce avant medium punch, il se cancelle très tard par H punch et c'est vrai que je le fais trop vite. Faut vraiment attendre. Hein. Ah, voilà. Vous voyez mes inputs, je fais trop vite. Voilà. En fait on a le temps, mais c'est vrai que moi j'ai pas le temps. Alors, alors on va essayer en prenant le temps. Alors. En gros c'est ça. Je vais essayer avec le son. Voilà, faut m'aider un peu. Alors, je me mouille tranquillement. Hop. Voilà, parfait. 305. Donc, vous pouvez faire ça avec un peu tout. Hein. Alors, ta. Il y en avait un combo comme ça.
voyez, ça fait combo. Alors c'est très difficile à faire, ça n'a aucune utilité, mais c'est pour vous montrer les possibilités du cancel. Alors tac 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 tac. Vous voyez le genre du combo, hein? Pam pam pam. Hop là. Autre particularité d'Akan. Ça c'est mauvais parce que j'ai réussi à le faire. Une fois, mais j'ai réussi à le faire. Autre chose intéressant qu'il faut savoir, qui n'est pas forcément très intéressant, mais qu'il faut savoir, c'est qu'Akan a une déchoppe avec un coup. Avec un coup spécial. Un coup normal, pardon. Alors, je me mouille, voilà. Alors, normalement, ça déchoppe. Je garde. Alors, le timing est un peu chiant. Mais normalement, l'avant H-Punch HK de Akan est une déchoppe automatique. Bah c'est bizarre, ça ne marche pas. Alors je sais pas si ils l'ont retiré sur 2012. Ça marchait sur... C'est vrai que je jouais à Cannes moi sur l'ancienne version. C'était automatique. Bon, apparemment ça marche plus, donc vous pouvez oublier. Mais avant l'avant HK de Akan faisait une déchappe automatique. Et la même chose avec avant H-Punch. Mais visiblement ils l'ont retiré. Bon bah je sais pas pourquoi. Parce que c'est pas comme si le perso avait besoin de nerf absolu. C'est le moins qu'on puisse dire. il n'est pas super méga fort. Alors, maintenant je vais vous montrer comment on fait des setups avec Akan. Des setups assez amusants, assez faciles à faire. Alors, faut savoir que Akan, moi, ce qui s'est passé, c'est qu'entre la version Arcade Edition, c'est le moment où je joue Akan, et la version en 2012, tous les coups de 360 kicks ont changé. Ils ont retiré énormément de frames. Ils sortent beaucoup plus vite qu'avant. Du coup, tous les setups de relevé ne fonctionnent plus. Donc j'ai dû en réadapter d'autres et j'en ai cherché que 3 ou 4. Mais bon, je vais vous montrer juste ceux que j'utilise. Comme ça, vous verrez, c'est très pratique. Alors, par exemple, moi, mes setups habituels. Non, pas besoin d'enregistrer, non, je sais pas où je vais là. Mes setups habituels, ça va être, par exemple, moyen 360 punch et là, EX machin. Vous voyez, moyen 360 punch, EX HK. Ce setup là est anti-dragon. Je vais vous montrer après à quel point. Bah d'ailleurs je vais le faire tout de suite. Il est anti-dragon. Par contre je vais juste revenir 2 secondes parce que j'ai mon chauffage à fond et j'avoue que je suis en train de mourir de chaud. Voilà. Sinon je vais griller. Sinon je vais griller avant de la fin de la journée. Hop hop. Alors Akan, il est fâché. Alors donc, oh là, oh, j'ai le meilleur costume du monde là. Avec cette brillance. Alors je vais vous montrer les setups, comment les faire et surtout comment les éviter quand on joue contre un Akan, évidemment, parce que c'est... Ce qui est chiant, c'est que quand on joue contre un Akan, si on connaît pas les setups, on est bien emmerdé. Alors, enregistré. 360 moyen. EX. Vous voyez le setup? Easy. Alors maintenant, on va faire un replay. Et on va essayer, je vais vous montrer, avec les trois dragons différents. Alors, le petit. Alors déjà je suis vert, normalement ça ne passe pas le petit. C'est pire que le tuto de Ken, parce que non seulement, mais je le fais en match en plus. C'est parce que j'utilise pas le petit justement. Ça c'est fort. Normalement si j'utilise le moyen, ça passe pas. Allez, j'ai pas assez de temps. D'accord.
Voilà, c'est ça. Donc il n'y a que le fort qui passe. Le fort ou l'IEX, hein, c'est au choix. Alors, rien. Et là, j'ai fait le fort. Allez, puis. Hop là. Vous voyez, manu du dragon. Le dragon, le fort dragon se fait choper. Alors là, j'ai eu l'impression que le petit dragon ne se fait pas choper. Alors ça sera peut-être la solution, mais en général, les Ryu font des gros dragons parce que évidemment, je le vois. Hein. Je me dis, c'est pas possible, le machin, il est devant moi. Gros dragon. Vous voyez, on voit le début et il se fait choper. Complètement du vol ce coup. Non, là par contre, au corps à corps, ça marche pas évidemment. Faut que ce soit absolument mid-screen. Voilà, là ça. Alors on va essayer avec le moyen dragon. Ah, le moyen dragon contre. Est-ce que je l'ai fait trop vite? Je sais pas. Alors le fort dragon, ça ne marche pas. Le moyen marche. Chose à savoir pour les Ryu. Ne faites pas le grand, mais le moyen fonctionne. Le petit. Et le petit marche. Donc finalement, il n'y a que le grand qui ne se fait pas bouffer. Oh, c'est bizarre. Ah non, il est pas huilé. Ah bah oui, mais si t'es pas huilé, mon coco, forcément, c'est un setup qui marche quand on est huilé. C'était ça la paille. Alors, on va recommencer le manip. D'abord, tu tuiles. Ensuite, tu chopes. Ensuite, tu fais mon set. Voilà. Là, ça me paraît logique. Alors, on va voir si le moyen dragon se fait choper. Non, définitivement, non. J'étais persuadé que si. Ah, ça doit jouer plus beaucoup à quand même. Hop, et là, et le petit. Et le petit aussi. Bon, bah finalement, il y a bien que le grand qui se fait choper par ça. Alors, également, le backdash, de toute façon, c'était la meilleure solution. Le backdash, c'est ce qui évite. Parfait. Le backdash, c'est ce qui évite ce setup. Ah bah il chope le backdash. Alors c'est bizarre. Je comprends rien. Mon setup était pas anti-backdash mais anti-dragon. Et là il se trouve qu'il est anti-dragon fort. Qu'il est anti... Qu'est-ce que je ne sais pas. Pourquoi ça chope le backdash? Vous avez vu juste avant ça allait choper. Qu'est-ce que je fais de différent? Je ne vois pas. C'est pas le petit hein, parce que le petit normalement. Le petit c'est celui qui est safe. Voilà. Le grand c'est celui qui arrive juste à côté. Ce truc là ça me laisse quoi, ça me laisse quoi, on m'a jamais réussi à dragonner mon setup hein. C'est mon setup officiel depuis super longtemps et là je vois qu'il ne marche pas donc je suis assez étonné. Alors hop. Voyons voir cette histoire. Parce qu'un coup ça chope, un coup ça chope pas. Ça c'est étrange. Alors, voyons voir là. Bah, il drague. J'ai terrible ça. Bah ça fonctionne pas. Donc j'ai des setups qui sont complètement foireux mais qui passent quand même parce que les gens n'osent pas dragonner. Ça veut dire qu'on m'aurait menti depuis si longtemps et que personne n'a jamais osé dragonner mes 360. Je suis hyper étonné. Vraiment, c'est très très étrange cette histoire. Donc là, on est d'accord, le gros dragon se fait choper. Ah merde, j'ai oublié de le veiller. Là du coup, le grand dragon se fait plus choper. Ah si, il se fait plus même chose. En fait, ça n'a rien à voir avec le village finalement. Hop là, mince. Voilà, vas-y. Donc le grand dragon, c'est sûr. Le petit. Ah bah voilà, le petit s'est bien chopé. Alors je sais pas, à mon avis, c'est parce que je devais rester appuyé un tout petit peu trop longtemps sur le bouton. Résultat, ça décalait de quelques frames. Le moyen, par contre, ne se fait pas choper. Donc le petit se fait choper. Ça c'est mes vieux setups, hein. Ça fait un an que je les avais trouvés il y a plus d'un an, évidemment. Ils sont plus forcément d'actualité.
Voilà, donc le moyen, je le casse, hein, il n'y a pas de souci. Hop. Ouais. La lance. La lance, ouais. Alors, le backdash, maman. Voilà, le backdash, c'est la meilleure solution. Moi, je vous conseille toujours de backdasher sur cette setup-là. Donc, ça se voit, hein, il est super loin. Par contre, du coup, il va y avoir un petit man game parce que le mec peut faire une glissade. Donc, le backdash, vous accroupissez, évidemment, ça marche pas. Vous voyez, là, je me suis bien accroupi et ça ne fonctionne pas. Hein. C'est un setup qui est évidemment fait pour combattre les personnages accroupis. Voilà. Et évidemment, les sauts aussi. Je vais vous montrer. Donc là, je reste appuyé à l'infini sur la touche vers le haut. Et il se fait évidemment choper aussi. L'une des solutions possibles, c'est de bourrer le light kick vers le bas. Enfin, je stun. Normalement, si on bourre le light kick vers le bas, on va abaisser plus rapidement sa hitbox. Pareil, c'est en théorie. Je pourrais passer vite. Voilà. Faut fort, voilà, faut y aller fort, mais ça permet d'éviter. Voilà. Alors, du coup, maintenant qu'on sait que ce perso peut facilement 360 les personnages accroupis, il existe des setups spécifiques. Donc, je vous en ai montré un. En voici un deuxième. Vous faites IX, saut et petit. Alors j'ai enregistré un petit peu tard, donc on va recommencer. IX. Et tout petit. Mince. Du coup, évidemment, ça va pas être... ça sera sûrement pas avancé de dragon, mais ça peut surprendre, hein, parce que tous les personnages déjà n'ont pas de dragon. Donc je vais vous montrer. Alors, quand je suis accroupi, vous voyez, là je suis accroupi, ça ne marche pas. Alors maintenant on va sauter. Alors allez, si vous voulez vraiment connaître tous les setups de ça, vous allez sur shoryuken.com, hein, ils ont tout listé. Le backdash, voilà, le backdash est toujours la meilleure solution. Et enfin, le bourrage de leg kick à l'infini. Le problème, c'est si je le fais une frame trop tard, ça marche pas. Mais essayez avec l'iPhone pour voir si ça marche mieux. Normalement, ça devrait marcher. Voilà. L'iPhone, c'est peut-être plus simple parce que l'iPhone, je sais quand c'est lable. La kick, je suis pas sûr. Je connais pas trop Ryu. Par contre, vous voyez, voilà, c'est pas du tout le truc que anti-dragon, c'est vraiment de loin. Hein. C'est vraiment de loin. Du coup, les applications. Les applications. Je vais vous montrer. Comment. Alors, le but en fait de ce personnage, Akan, ça va être aussi de provoquer une garde haute. Parce que si vous provoquez une garde haute, vous pouvez immédiatement faire un 360 kick sans que le personne en face puisse s'accroupir en fait, tout simplement. Regarde, garde totale. Une garde totale en général, donc c'est sur un saut. À la relevée, par exemple, il y a des setups de sauts qui sont assez sympas parce que du coup, comme tous les personnages chopper, Akan a des imbloquables un peu comme T-Hawk machin sur son saut HKOE. Là, c'est à moitié un imbloquable sur les 3 quarts du cast. Hein. Et donc derrière, vous faites directement un 360, la kick. Et ça chope tout de suite. Le personnage n'aura pas le temps de sauter, pas le temps de s'accroupir, pas le temps de backdasher. Là par contre, ça bouffera vraiment le backdash. Mais il pourra dragon et il pourra bourrer les lucky. Hein. Ça reste la meilleure solution et le light punch évidemment. Ça, c'est ça. Donc tous les setups également après un petit light punch en garde. Même principe. Peut pas s'accroupir, peut pas sauter, peut pas dasher, reste le dragon et le light punch. Donc ça, c'est extrêmement puissant. Vous vous rendez compte? Vous vous rendez compte? Vous pouvez quasiment rien faire. Même le backdash surtout. Ça bouffe le backdash. C'est ça qui est l'arme absolue de notre cher Akan, c'est que ça bouffe le backdash. Vous pouvez même, alors d'ailleurs, Akan est le seul personnage à pouvoir mettre en combo une chape spéciale avec Ibuki. Mais je pensais au chopper, je vais vous montrer. C'est ça. Normalement, alors c'est sur les dernières frames par contre. Vous voyez, 3 hit combo. Ça fait combo.
Alors que si je le fais tout seul... Hein? J'ai déjà trois combos de base. C'est moi qui fumais. Ah, en fait, j'ai peut-être confondu les 3 hits combo du coup et les 3 hits combo du... Je ne sais pas. Alors. Ouais, c'est bien fort. Hein. Hop, hop. Bon, bah, ça fait pas combo. Ça faisait combo sur Arcade Edition, mais comme ils ont changé les timings, ça ne fait pas combo. En tout cas, ça passe très bien parce que, par contre, le même système, c'est sûr, c'est que on peut pas s'abaisser, on peut pas. Le bye dash, on peut pas sauter. Bon, on peut dragon. Ouais. T'as des compétitions. Ah non, mais ce tuto est génial parce que entre ce que je faisais et ce qui fonctionne, alors que en match, je continue à faire ces setups. Hein. Je vous assure que personne ne dragonne jamais Moakan. Hein. Et puis surtout, c'est peut-être pour ça, c'est que je dis systématiquement que c'est pas dragonnable. Alors les gens, ils le croient, ils le font pas. Mais bon, faut croire qu'en fait, ça l'est. Voilà, les combos de base d'Akan. En setup qui est bien après une glissade, regardez, hop, 1, 2, 3. Moi après, je bourre les medium punch. Et j'ai fait saut H-kick avec un 360 light kick en option set. Très pratique. Ah, autre, oui, une dernière chose. Après le n'importe quel 360 kick, vous faites MP directement. Et là, vous sautez par-dessus et vous faites un 360 kick. Light. Hop là. Non. C'est light ou c'est moyen? Je sais jamais. Je sais jamais. Maman, il y a un setup comme ça. Voilà. C'est light. C'est light. Après, évidemment, la distance, on va être en point, ça ne marche plus. Voilà pour ce petit tuto, j'espère que vous aurez appris des choses sur... Donc je vous rappelle les points principaux, évidemment, hein, c'est qu'il a un dash avant qui est cancellable n'importe quel frame par un light. Et il a un dash qui utilise les premières frames invincibles et qui peut immédiatement se canceller par un normal. Par contre, en revanche, je connais la manip pour... Ah, c'est vers l'avant. Je me souvenais plus. Je faisais village en envers. Je me disais, c'est bizarre, il suit pas. Vous pouvez utiliser les premières frames d'invincibilité d'un backdash et les canceller par un normal. Donc évidemment ça se voit pas, mais ça je vous ai montré tout à l'heure, hein, contre les shots, contre tout ça. Évidemment le meilleur anti-air du jeu, hein, puisque Paris, ça fait anti-air. Le petit high punch là, vers l'avant, alors pas le normal, mais celui vers l'avant, c'est un excellent anti-air. Regardez, il touche au-dessus de sa tête. Excellent anti-air. Contre les dives de Camille, ça c'est génial. Quoi, t'as fait une dive, t'as fait le jeu, hop. Pour canceller avec une glissade, vous avez le bas medium kick. Et le mieux, mon préféré, moi, c'est live on la kick. Qui va très loin. Qui est pas punissable du tout. Et donc, qui est même. Qui rentre en combo, évidemment. Voilà, c'est avant. D'ailleurs, vous pouvez même en faire plus. Non. Le seul coup live kick que vous pouvez chaîner, qui devient chaînable grâce au village, ça va être le bas la kick. Parce que vous pouvez le bourrer à l'infini. Il devient complètement chaînable, on l'appelle ça, parce que ça utilise le chain. C'est pas un cancel, ce n'est pas un leak, c'est un chain. Ouais, hop, hop, évidemment c'est des block string, et ce qui ne fonctionne pas quand on est quand on n'est pas huilé. Voilà. Pour le setup, alors attendez, je réponds vite fait à votre question. Donc pour contrer le setup ce gros pied devant derrière, tu fais comment? Tu peux faire focus, mais c'est dangereux. Tu mets ta garde, hein, je sais que ça peut être Gagapa. Ça peut être, je lis en même temps mon nom, c'est terrible. Ça peut être imbloquable, mais je connais pas vraiment les setups. Moi, vous savez, je vous bise moi, je fais une téléporte et je me pose pas de questions. Mais bon, sinon, faut piffer la garde, hein, comme on dit. Vous avez une chance sur deux, ça fonctionne. Voilà. D'autres questions? Tu vas ranked? Non, ce soir, je ranked pas. Je fais un défi. Oui, parce que vous êtes arrivé un peu tard. Donc là maintenant je vais faire quelques défis que j'avais prévus, donc avec Akan et avec Bison, avec des joueurs qui m'ont envoyé un message sur Facebook. Vous avez demandé à tous, hein, si vous voulez me rejoindre un vendredi soir pour faire un défi, envoyez-moi un message sur Facebook, je poste parce que je recherche des joueurs évidemment, le niveau n'est pas important, le but c'est de jouer. Vous me dites si vous entendez Marteau Piqueur parce qu'il est dans les minuit, il fait
Il est 21h, il y a du marteau piqueur dans ma rue, c'est juste hallucinant. Donc faut que j'invite. C'est un message. Créer un nouveau. Invitation à un jeu. Alors, je joue normalement avec Léo du Gratin. Alors, c'est. Ah, oh, je me demande Léo. Qui a bien voulu jouer contre mon Akan. Bon, mon Akan, vous avez vu, hein, il est complètement rouillé. Hein, c'est plus le Akan de l'année dernière où je jouais vraiment sérieusement. Je m'étais pris d'affection. Non, en ce moment, je me suis plus pris d'affection pour Blanca d'ailleurs. Pour Blanca. Junior Léo, évidemment, tu éteins le stream, s'il te plaît. Le but, c'est de jouer dans des conditions plutôt correctes. Je vais refermer la porte parce que du coup, ça me fait chier. Chier pour vous de tendre le marteau piqueur. De toute façon, ça s'est rafraîchi. Puis j'éteins le radiateur entre eux. Voilà, il est arrivé. Deux secondes. Ah, ce marteau piqueur à 21h, ça c'est un imbloquable. Hop. Alors, le casque pour le son du jeu, ça fait genre je suis pro, genre je vais jouer toute ma vie. Bon, j'espère qu'il va pas me sortir un match-up trop dégueulasse pour mon premier match avec Akan ce soir. Donc c'est un force ou 3, hein, je vous rappelle. Force ou 3, ça j'ai des gens qui me rajoutent en ami. Hop, et là, rajoutez-moi un ami, n'hésitez pas, hein. Moi je dis bonjour, je dis oui à tout le monde alors. Mon Facebook est complètement fait pour tous les joueurs de Street Fighter. Akan. Bon, j'ai pas de tenue particulière. Pour Akan, bonsoir à ceux qui arrivent en retard, hein. Vous pouvez regarder évidemment la VOD qui est mise d'abord sur Twitch. Ouais, là la gueule du match-up, merci Junior. Et la pour 7. Et après, ça sera évidemment mis sur YouTube. Bon alors, Akan 7, je sais pas, ça me semble que c'était un 9-1 sur, sur Akan Edition. On verra si c'est mieux sur AE 2012. J'y crois pas trop personnellement. Allez, boum! Alors là, j'ai plus de parvier, je suis dans la mouise. Ah, il a le dragon ce petit. Hein. Ah, mais évidemment, je vais bugger. J'avais espéré que pendant le whiff de sa shop, mais le village, le problème c'est que c'est pas safe du tout. Wouah, ça fait anti-air ce machin. C'est complètement salaud. C'est complètement salaud que ça fasse anti-air ce truc. Parce que j'ai complètement mis la garde. Faut dire aussi que par exemple, Sagat, après un dragon IX, peut directement mettre l'ultra contre. Ah, il abuse du 360. Ah, ça pique tous mes coups. Pam, 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 pam. Ouais, il a bourré, il a bien raison. Pap, pap, pap. Bon. Je vous prends direct un match-up complètement dégueu. Mais bon, c'est pas grave. Je suis sûr que j'ai mes chances quand même. J'ai pas peur. Par contre, tu changes pas de perso, hein. T'as commencé avec 7, tu finis avec 7, hein. Tant pis. Parce qu'en fait, le truc, c'est que comme c'est un personnage qui doit jouer avec sa focus, si le. comment ça s'appelle? L'aspiration est anti-focus, forcément. C'est comme Dan, hein. Dan, c'est complètement un match-up dégueu pour Akan parce que il peut faire son tatsu à l'infini. Ça peut être le jeu de focus de Akan. Et tout le jeu de focus se base sur. Ah, il attend une balle lâcher punir en plus. Ah,
Allez, boum. Mon setup. Et voilà. Rien à foutre. Absolument rien à foutre. Ah. Voilà, j'ai pas de garde contre cette table. Non, il n'a pas sauté. Il n'a pas sauté. Alors, est-ce que je vais réussir à gagner un match par hasard? Mon petit Yakan complètement pourri. Eh bah oui, eh bah oui, eh bah oui. Je tente des choses. Ah, trop loin. Ah, c'est tellement dégueu ce truc. Oh, vous avez vu ce que ça fait? Non, mais... Je sais pas si je vais survivre à tout ça. Oh merde, j'ai pas le temps de passer tout. J'ai essayé. Ah, je sais ce que j'aurais dû faire, tant pis. Pour la prochaine fois. Hop là, 2-0. Pas de chance, je vais vous montrer comment on joue à Cannes, mais forcément, je me prends directement un match-up complètement dégueulasse. 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 Je me fais choper à l'infini par l'aspirateur, je me fais aspirer. Aspire. Aspirateur. Ah mais c'est terrible hein, je peux pas faire dash avant et l'attaquer sans prendre un... Boum, boum. Par contre, l'IX 360, qu'est-ce qui fait mal? Ah, ça fait mal. Oui, pourquoi pas. Il y a des choses qui m'aident dans tout. Alors. C'est bon, premier. Ce fut difficile, hein. faut savoir que cette ultra sort en 0 frame. C'est un 0 absolu. Les 7 jumps à 3 frames n'existent pas.
les 7 drops à 4 frames n'existent pas sur la canne. Zéro absolu. Il faut avoir les pieds sur terre pour l'éviter. Alors, l'heure 2. Hein. Est-ce que j'ai mes chances de remporter ce premier défi de la semaine? Konjua. Voilà, ça c'est dégueulasse. Pas le temps de taper. Je pensais qu'il avait dragon. Ah, forcément. Ah, moi, j'ai envoyé un message sur Facebook pour tous ceux qui veulent jouer contre moi. Je l'ai écrit. Ah, zut. Ah, évidemment, pour une fois que je fais une focus qui passe, j'arrive pas à combo d'air. Voilà. Ah, j'arrive pas à combo. Ah, sans combo à Cannes, c'est impossible. Voilà. On m'a bien joué, Junior Léo. J'ai essayé de faire mon mieux avec Akan. Mais bon, vous voyez, c'est... En fait, l'aspiratron est vraiment très problématique dans ce défi. Bravo à lui. Ensuite, il y a Essex qui a bien voulu me défier. Moi, je vous rappelle que j'envoie des messages sur Facebook. Hein. J'écris sur mon mur et je demande gentiment à tous ceux qui veulent bien jouer contre moi. D'ailleurs, il n'y a que deux personnes qui ont répondu. Donc du coup, il n'y aura que deux défis ce soir. Voilà. Bon, c'est dommage parce que voilà, j'ai quand même eu 12 ouvertures de garde et j'ai pas réussi à les concrétiser, malheureusement. C'était l'occasion pour moi. Mais bon, ouais, de toute façon, 7 à Cannes, je mets pas cher de poteau d'Akan. Hein. Je demande gentiment un joueur pour jouer à Cannes, il me sort 7. Heureusement que j'ai demandé un match-up pas trop dégueulasse. Donc contre Essex, on avait dit Bison. Il voulait jouer contre mon Bison. Voilà. Ouais, Junior Léo, hein, merci d'avoir pris un personnage où j'avais demandé un match-up pas trop dégueulasse et tu me sors un 9-1. Tout simplement. Mais bon, heureusement, t'es un boulet, alors j'ai réussi à prendre un match. Allez, c'est parti pour Bison et Vilryu. J'arrive plus à jouer Bison comme avant pour l'instant, en ce moment. Avant, c'était l'un des meilleurs campeurs de France, mais je sais pas. En fait, sincèrement, j'ai changé de gameplay depuis quelques temps. Ça me plaît pas du tout, mais j'arrive à camper qu'avec Blanca. J'arrive pas à planquer avec Bison, parce que j'arrive pas à défendre. En fait, je sais pas pourquoi.
Et c'est récent ce problème. Va falloir que je me reconcentre sur Bison si je veux faire des résultats de nouveau en tournoi. Hop là, décalage, HK. Non, je joue pas sur PC parce qu'il y a peut-être plus de monde, mais il n'y a aucun grand joueur. Donc je ne vois pas l'intérêt de jouer sur PC. En plus, moi, mon PC, je suis désolé. Si je veux jouer sans lag online, il faut que je mette la V5. Non, il faut que je retire la V5. Et si je retire la V5, les images sont croquées. En plus, j'ai besoin de deux connexions différentes. Mon PC est relié à numéricable. Ma Xbox est reliée à Free. Du coup, c'est ce qui permet de streamer. Je ne pourrais pas jouer et streamer si je jouais sur PC. Voilà, donc pour toutes ces raisons, je ne streamerai pas sur PC. C'est... De toute façon, il y a déjà des joueurs qui... de Fureur, d'ailleurs. Florian. Ancien Florian. Qui stream déjà. Et qui le fait très bien. Je m'attendais depuis tout à l'heure à cette phase-là, mais je ne sentais pas. Alors vous voyez, maintenant les joueurs ont compris, mais au début tous les joueurs faisaient des option select sur Bison. Et vous voyez, pour éviter une option select, je faisais tout simplement une téléporte de l'autre sens. Mais maintenant les gens ne font plus d'option select, et ils ont raison de plus en faire. Et du coup ça te permet de punir ce genre de choses. Pourquoi j'arrive pas à camper? C'est terrible ça. Oh, ça lag. J'ai hâte d'avoir posé mon câble la semaine prochaine. La semaine prochaine, j'ai un nouveau câble. Je serai plus chez Free. Parce que depuis que j'ai déménagé, c'est la galère. Voilà. Non, la super, faut faire attention. La super, elle sort en une frame. Donc, elle n'est pas facile à éviter. Qu'après un saut machin il peut mettre directement la super, il faut que je fasse attention à cette super qui peut arriver d'un moment à l'autre. Bon, allez, je les vends bas, médium et ça passe. Ah. Il connaît les frames. Alors, 2-1, 2-0. Alors quelqu'un qui me propose un défi, donc moi j'avais prévu d'en faire 4 ce soir, pour l'instant j'en ai que 2. Donc je réponds par la positive. Si quelqu'un d'autre veut faire un défi, voilà. À chaque fois je ferai 4 défis. Et vous choisissez le perso que je joue, hein. J'ai 5 persos différents, n'oubliez pas. Qui sont évidemment pas tous du même niveau. Donc, comme ça, ça vous permet de choisir un qui vous pensez est à peu près équilibré. Le but c'est pas du tout de faire honte ou de déranger. Voilà. Alors vous voyez, la première fois j'attends bien jusqu'au bout pour voir à quel moment il réagit. Et la deuxième fois je fais exactement la même chose, mais j'appuie, enfin je relâche au moment où je sais qu'il va réagir. Et donc quand il réagit par un saut, il ouvre sa garde parce qu'il y a 3 frames pour sauter et je tape dedans.
C'est comme ça qu'on réussit à placer des focus dans ce jeu. Bah, j'ai ma charge. Croire que non. Voilà. Tu peux m'aller. Ouais, je joue. J'arrête de boire. Je n'arrive pas à éviter un Hadouken. C'est bête de mourir comme ça. Alors, 2, 2, 2, 3. Ah bah, pardon. Bah, GG, Essex, hein. Je sais que c'est un match-up que tu as un petit peu de mal. Malgré mon niveau qui en ce moment n'est vraiment pas terrible online, je précise bien parce que j'ai quand même fait un tournoi il y a pas si longtemps, j'étais deuxième. Et il y a un tournoi dimanche et j'ai bien l'intention d'être top 3, croyez-moi. J'y vais pas pour acheter des cacahuètes. Dicta, alors Maizawa. Oh là, ils ont des pseudos compliqués les gens. Donc troisième défi, Mia. Ceux qui veulent me défier, vous m'envoyez un message sur Facebook, hein. C'est fait pour, hein. C'est beaucoup plus simple pour moi. Donc sous machin, s'il veut jouer, il m'envoie un message sur Facebook, il n'y a rien de plus simple. Maizawa Saiko. Il veut que je joue Dicta. Bon, admettons. Il veut que je joue Dicta, on va jouer Dicta. C'est toi qui traînais une rose au Saisi en octobre. Il était pas là, Essex, au Saisi Game. Je crois pas. Ou alors il était en... Non, je me souviens pas là, lui. Je n'en sais rien. Allez, c'est parti. Ah, Guy, bah oui. Mais non, mais pourquoi me demander de jouer Dictateur si tu joues Guy? Le match-up, c'est 100-0. C'est un match-up qui est vraiment pas facile pour lui. Vraiment, vraiment, là j'avoue, c'est... Dicta, c'est l'anti-Guy, quoi. C'est le Gaël de... C'est le Gaël de... Voyons voir s'il joue aussi random que la dernière fois, parce que je l'avais dit de calmer avec les glissades. Voilà, les glissades, ça se fait pas. Wouh, cross-up. Des gens qui backdashent toujours à la relevée. Forcément, c'est embêtant. Et ça gratte, et ça gratte. Non, en fait, il a la distance de focus. Vous l'avez plus assez dit pour focus, mais normalement, s'il faisait focus, il pouvait faire derrière ultra, et il avait gagné. S'il saute, normalement je peux mettre l'ultra. Ah. Dommage, c'est pas safe. En plus, il y avait plein de barres pour tenter. Plein de barres.
dommage de mourir avec ces deux barres pleines pour rien, quoi. C'est pour ça que moi, d'abord, je puce sincèrement beaucoup dès que j'ai plus de... Pourtant, franchement, l'ultra de bison, elle sert à rien. Hein. Elle sort en 12 frames, 14 frames, je sais plus d'où. Non. Elle sort en 12 frames, je crois. Et du coup, t'as carrément le temps de garder, elle punit pas les lights, mais quand t'as plus de vie, de toute façon, qu'est-ce que t'as à foutre? Moi j'aurais fait à sa place glissade, cancel, dash avant ultra, voilà, et ça peut toujours surprendre. Si le mec a fait une déchappe, paf, il est dedans. Je vois qu'il bookie, moi je fais ça. Arrête avec tes backdash. En fait, j'essaie toujours de passer dessous. Comme Dictator, il a une marche rapide, souvent je passe dessous. Alors. Très pratique. Voilà. Faut pas faire backdash. Je peux faire focus backdash, mais pas backdash. Backdash, c'est trop facile à punir. Trop facile. Oh, bien vu, l'histoire. Dommage. C'est dommage. Mais vous aurez remarqué qu'il y a le fameux bagro point super. Ce qui était le plus important. C'était l'objectif de la soirée. FFC, je veux FT ton dicta. Bon bah ça sera encore dicta. Et après j'ouvre un lobby ouvert à tous les 360 players évidemment, qui veulent que je les aide à s'améliorer. Mais faut mettre la garde dans la vie. Wouh, ça whiff. Toujours ce problème de backdash. Non, j'utilise jamais close MP, j'en vois pas pourquoi. J'ai plein d'autres coups qui sont bien meilleurs, donc. Bien vu. Là, je peux mettre la super par contre. Je pense que c'était la meilleure occasion de faire. C'est distance le HK, voilà, ça pète les démons, c'est pour ça que je fais ça. bien joué. Mais jouer mon dicta, là, sincèrement, je vois pas l'intérêt. Tu pouvais jouer d'autres persos, je pouvais jouer d'autres persos. Bien joué en tout cas. Le dernier défi, je vais vous dire ça, FF. Merci à toi Sako, mais bon, dictateur, je pense que tu n'es pas prêt à affronter mon dictateur encore. Hein. Tu devrais d'abord essayer de tuer mes autres persos pour arriver après sur le boss final. Quoi qu'en ce moment, je joue mieux mes autres persos que dictateur. Ça c'est autre chose. FFC, saut. 13. Alors qu'est-ce que ça veut dire FFC 13? Football, France, club. Je ne sais pas. Moi j'ai déjà joué rose, hein, parce que vous cherchez des joueurs de rose. Moi j'ai une rose. Pas très forte, mais j'ai une rose. Enfin, pas très forte. Je beat bye avec, hein.
Alors, vient ou vient pas le FFSC 13? Pour l'instant là, je regarde mes messages. Solid play, that first one number was excellent, 1, 2, 3, against on the target. Ce qu'ils savent pas, c'est que je joue avec les étrangers, mais moi ça lag, je joue pas comme je jouerais en tournoi. Alors, il veut jouer mon dicta. Avec Yoon. Ah, Yoon, c'est un matchup que j'aime pas particulièrement avec dicta, mais il n'y a pas un seul Yoon qui m'a battu en tournoi. Aucun. Alors que online, ils battent, mais évidemment, le timing online et le timing offline n'ont absolument rien à voir. En tournoi, Reinhardt, il a pris Yoon contre moi, je l'ai battu. Conquistar a pris Yoon contre moi, je l'ai battu. Kusanagi, je l'ai. L'autre qui jouait Ryu aussi, je sais plus son nom. On a toujours pris Yoon contre moi et. Moi c'est rentrer chez vous avec votre Yoon tout pourri. Hein. C'est pas facile pour Yoon du tout dans ce match-up. Après moi j'aime pas Yoon parce qu'il peut sauter facilement mais... Bam 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 bam. Ultra. Corner, et oui, à force de sauter, forcément, moi mon ultra, un seul combo, c'est en entier, donc. Bah si tu veux regarder un truc qui est pas facile, tu regardes sur YouTube moi contre Yoon, hein, je crois qu'il a upload mes 7 défaites, 8, enfin d'ailleurs j'ai marqué 7 mais il me semble que je me suis fait 8 fois poutrer par Yoon d'affilée, par Sakami. Donc oui il y a des choses qui sont très difficiles avec Dictator. D'ailleurs gagner un gros tournoi avec Dictator c'est très difficile. Après ceux qui disent ouais mais vous avez déjà vu mon perso gagner un tournoi, en même temps des grands tournois majeurs il y en a quoi? Il y en a 3 par an. Et il y a 40 personnages. Comment? Expliquez-moi, comment? En sachant qu'il n'existe pas non plus des génies du versus fatigue à l'infini, il y a quelques génies du versus fatigue, mais tout le monde ne peut pas être aussi fort. Voilà, ils ont un grain en tête, ces mecs-là, ils sont extrêmement bons. Et, peu importe le perso d'ailleurs avec qui ils jouent, hein, ça se voit avec le Bouken ou le Hakan de notre chère infiltration. Et donc à dire mon perso, machin, personne n'a jamais gagné de gros tournoi avec, mais en même temps, personne n'a gagné beaucoup de persos de tournoi avec les 3/4 des personnages, c'est normal, c'est le principe. Ah, arrêtez ces backdash. Mince, c'est pas combo ça. Non, avec ça, ça marche pas contre moi ça. Alors j'ai pas de Bardi X, mais je t'ai prévenu pourtant que là. Ouh. Vous voulez faire l'ultra dedans, hein, ça marche. Boum boum. Alors l'un des moyens de tuer Yoon c'est de coller parce que ses dives au corps à corps ne sont pas safe. C'est l'un des rares moyens qu'on a contre Yoon d'ailleurs. Regardez, mais c'est trop tard. Ouh, beau dragon. Très beau dragon. Pourquoi tu fais backdash systématiquement? Expliquez-moi. Expliquez-moi.
Pour gagner des tournois, il faut être très bon, utiliser des setups que personne ne connaît. Et là, ça change tout. Xian, par exemple, je suis désolé. On lui tape dessus parce qu'aujourd'hui, il n'arrive pas à refaire les résultats. Mais imaginez, le mec, avec un perso moyen, a réussi à gagner les veaux. On peut pas lui demander de réitérer à l'infini cette chose qui était la surprise. Mais c'est déjà extraordinaire. Donc maintenant, dire c'est un fake parce qu'il perd, non, c'est pas un fake. C'est extrêmement difficile d'avoir gagné un seul tournoi avec lui. Alors on va pas lui demander non plus de gagner tous les tournois. N'est pas Daigo qui veut. Xian ne sera jamais Daigo. Mais Xian, quand même, on peut lui dire qu'il a gagné grâce à un perso moyen. Inconnu, mais moyen. Mince, là je fais focus dans sa shop, alors forcément, ça passe pas. Ah zut, pas le temps de faire un lot, comme je pensais. Ah, notre ami a un petit problème de manette. Ah c'est bon. Apparemment c'est résolu. C'était bête ce que j'ai fait. Wow, bien vu, ça c'est bien. Excellent de se relever comme ça. En plus, comme je fais rien, exprès au cas où il fait dragon, c'est d'autant plus intelligent. Ah, par contre, moi ce que je voulais faire c'était juste un psycho-crusher. Je voulais pas faire un. Je sais pas ce que j'ai fait, pas gros. Ah bien. Faut vraiment que je rentre à la vision, je fais des meurs de manip que je ne faisais évidemment plus. Ça je comprends pas. Là vous voyez c'est débile hein, ça fait. Il me fait 4 fois là, je lui. Enfin il fait. Pendant 3 matchs je lui punis ses backdash. Et continue à en faire. C'est pas là. T'as un cerveau, utilise-le. Non, faut être super, faut tuer. Voilà. Ah, ça me dépite, ça me dépite. Ça c'est le type de joueur qui ne s'adapte pas. Quand tu vois qu'un mec te punit ton backdash, tu arrêtes de faire ça. Ah bah non. Le mec il continue bêtement à l'infini. Ça n'a pas de sens. D'ailleurs l'idéal. Quand tu sais que l'autre va faire des multiples puisqu'il sait que tu vas backdash, c'est de faire un dragon. Tu fais un coup backdash, un coup dragon, tu vois, faut varier. Bah comme il a fait Shop Space, c'était excellent. Ça c'est excellent. Par contre, refaire backdash après. Sincèrement. C'est pas comme ça qu'il faut réfléchir. Bon, et moi j'en ai marre de faire des erreurs de manip avec mon main quand même, ça me fait chier. Parce que là j'ai fait que des erreurs de manip d'affilée. N'importe quoi. Regardez, il continue. Non mais... Allô quoi. Encore, 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 toujours la même erreur. Option select. Ça fait que 3 fois qu'il me fait cette phase là. Bien vu. Là, par contre j'ai fait une focus. J'aime le online quand ça fait ça. Ça c'est typiquement le online, hein. Je fais une focus mais tu sais jamais à quel moment faut le faire. Tu fais trop tôt ou tu fais trop tard, comme ça varie tous les 5 secondes.
Voilà, je suis une barre comme ça. Voilà, il nous fait encore la même chose. Même erreur 90 fois. Et non! Bien joué, bien joué, bien joué, bien joué. Mais s'il te plaît, alors on va donc la se connecter parce qu'il a sûrement éteint son stream. Mais là, vous voyez, c'est typiquement ça la différence entre un bon joueur et un genre moyen. Là, tu peux pas faire à l'infini la même chose. Si tu vois que le mec te punit, tu t'interdis de refaire la même chose. Surtout que pour backdash, t'as d'autres solutions. Tu peux faire une focus avant ton backdash. Moi, je fais souvent ça. Alors évidemment, après, on peut se faire choper. Mais ça reste du man game. Mais on fait pas 20 fois d'affilée un backdash. Je fais une focus level 2 en garde. Dash avant, il fait backdash. À la relevée, il fait backdash. Non. Bah non. À chaque fois, si tu me prends un HK, mon HK, ça fait 110 dans la gueule quand même. Hein. Fait mal le HK. Hein. Vous savez que light kick knee press, ça fait 110. HK, ça fait 110. Donc, c'est presque ma meilleure punition. Elle équivaut à ma meilleure punition de 3 frames. C'est hallucinant, mais c'est comme ça. Donc, s'il te plaît, quand tu regarderas cette vidéo, apprends à ne plus backdasher bêtement. Bon, mes amis, vous savez l'heure qu'il est maintenant, il est l'heure du lobby. Il est 22h18, il est donc 40 minutes de lobby ouvert à tout le monde, où je ne joue pas. Je ne fais que commenter, vous aider, vous indiquer et vous analyser pour vous corriger en direct live. Allez, venez rejoindre la session, c'est ouvert. Il y a 8 places, enfin 7 places disponibles. En même temps, je peux répondre à toutes vos questions, éventuellement sur vos personnages. Même si je ne les joue pas particulièrement, je pense connaître suffisamment le jeu pour vous aider, en tout cas. Donc sur vos personnages, n'hésitez pas, sur d'autres choses. Des lieux, ça c'est une camille, je crois. Alors, qui est motivé pour jouer? Sinon je vais jouer, hein, mais bon. Voilà, tout ça, ça se reconnaît tout de suite, c'est pas des gens du stream. Alors, est-ce qu'il y a des gens du stream qui sont motivés à jouer? J'ai une coiffure bizarre, là. La question piège, target combo avec Félong. Il y a des carrés combo avec Félong. Moi, je m'arrête à cette question. Peut-être qu'il y a des targets, après tout, c'est vrai que Light Punch, Rekka, 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 ça ressemble à. Ça ressemble à target, hein. Pourquoi pas. Allez, c'est Sex the Sinner, Starlet, ça fait déjà un bon petit truc si on met les deux. Bon, par contre, l'italien, hop, on vire. Allez, Starlet, viens jouer contre Essex. Bah, Essex, pourquoi tu débarres? Bon, si vous voulez pas que je vous aide, allez vous faire foutre. Bon, si dans 2 minutes, personne n'est motivé, évidemment, voilà. Je pense que ça peut être un match super sympa en plus entre vous deux. Alors évidemment, l'américain hors de question, hein, hop. Mais Starlet et Sex the Sinner, alors évidemment, il va me dire « Why you don't play me, I don't lag, I don't lag ». Alors moi déjà, je lag avec le sud de la France, voilà. Quoi? Tu me vires? Tu m'exclus? Je t'en comble? Ah mais oh! D'où tu m'exclus? J'ai un jeu parfait, j'ai la fibre optique. Et pas moi. Oui bah faut regarder WoW. Il a raison. Tu regardes WoW, t'as tout compris. Parce que quand tu regardes WoW, tu fais waouh! Ça cherchait cette blague, hein. Je suis sûr que personne ne vous l'a jamais fait. La plus grande blague du ciel. Ouais, mais si tu prends un bloc, tu peux plus aller sur Event Hubs. Alors c'est un choix cornélien, préfères-tu aller sur Event Hubs ou préfères-tu ne pas regarder la pub sur mon stream? Qui de toute façon est gratuit. Donc j'y touche rien. Ça t'es une pub de merde. Mais il lag, Essex, tu lag pas avec les Italiens, toi? 1-0 pour l'Ukraine, les gars. Pas monsieur, en même temps, j'en ai rien à foutre du football, moi. Moi, je regarde le football que lors des finales. Alors, si j'ai bien compris, bah on n'est pas prêt. Alors voilà, le whiff de punish
Vous voyez, les deux peuvent se punir alors. Evil Ryu peut punir Bison de loin avec ses médiums parce qu'il va casser le press, il va casser surtout son phare HK là, c'est vraiment contre Bison, c'est excellent. Et Bison peut tout punir avec son médium. Ouais, magnifique combo. Avec son médium. Médium. Ah, Matt Starlight il a perdu des PV n'empêche parce qu'il était à plus de 4000 la dernière fois que j'ai joué contre lui. Regardez-moi ce HK counter à quel point ça fait mal, c'est juste dégueulasse. Alors. Voilà, Starlight maintenant il faut qu'il tamponne. Un Bison normalement ça tamponne. D'ailleurs à la fin, on se tamponne. Ah, ce relevé en medium punch, moi c'est toujours des trucs. Mais faut le faire, hein, c'est sur des relevés bien spécifiques où effectivement Bison, même s'il fait dash avant, il est derrière en négatif. Donc si tu connais parfaitement les timings, effectivement, tu peux le faire. Voilà, ça c'est la carotte dans le coin, elle est monstrueuse. Hein. Elle est absolument monstrueuse. Alors pour les combos de LP après axe, ça dépend évidemment de quel axe on choisit. Par exemple, tu peux prendre le axe chocolat, tu peux prendre le axe parfum envoûtant. Bref, ça dépend duquel tu choisis. Voilà, trop invisible. Le problème de Starlight, c'est qu'il est très agressif, il joue exactement comme Kuma jouait il y a longtemps. Et du coup, bah, tu peux le punir si tu mets. Moi, avec mon, j'ai pas de problème pour le battre avec mon Blanca, par contre, j'arrive pas à le battre avec mon Bison. Enfin, si, j'arrive à le battre, c'est plus difficile. Parce qu'en Blanca, il est un excellent Whiff Punisher. Bison, avec ma connexion actuelle, j'ai beaucoup de mal à Whiff Punish parce que je lag un peu trop. Ah bah, c'est con de. Cette phase d'essai, ça n'est pas très recommandé. Non, mais j'ai les meilleures blagues du siècle, hein, vous me connaissez mal, hein, je suis très drôle. Très. Vraiment très drôle. Le plus drôle. Wouhou, il y a du monde. Il y a un chien Latrix. Larix, pardon. Les chiens Larix. Mais vous avez pas compris. En tournoi pour gagner, je fais des blagues. Je fais des blagues d'azard pouet-pouet à mon voisin. Et du coup, comme il est esclavé de rire, il me laisse gagner. Vous avez compris, hein? Moi, les japonais, hein, je les ai commencés entre deux grains de riz, j'aurais fait une petite blague, hop. Et on a gagné on a gagné le droit de participer à la finale et de se faire bourrer par Poco. Ouais, ce qui est drôle, c'est mes... Oh, Essex, t'es un sale lâche. En plus, Essex, fais attention, parce que j'ai vu un certain message de Tupac, je crois, qui se moque de toi sur Facebook. Fais attention, tu es grillé. Oui, oui. Alors par exemple moi Ryu avant je jouais en attaque et maintenant quand je joue face vraiment un très bon Ryu sans lag comme Evil Easyman, je campe à mort, vraiment, je le joue au time over. Et Daigo quand je l'avais joué au Japon j'ai battu en jouant au time over parce que c'est le problème du online, hein. Le online, de façon tant qu'on jouera en France online, vous pouvez pas comprendre des vrais match-up. C'est pas voilà, moi là je joue online pour déconner machin, je suis grand maître online, mais je n'applique pas du tout les mêmes match-up online et offline. Enfin, je pouvais les appliquer sur mon ancienne connexion, mais depuis que j'ai déménagé, donc depuis 5 mois, je ne peux plus du tout les appliquer, je suis obligé de jouer un peu random. Voilà, ça c'est un imbloquable, hein. Malheureusement Ryu, faut absolument que tu fasses un sacrifice hit sur cette fête comme ça. Non, alors vous voyez, ça par contre c'est un truc à savoir. Un Bison qui va gratter, qui a une barre d'IAX, qui a exactement un full screen, il va faire un IAX psycho. Hein. Un dragon, n'importe quel coup en X, puni avec psycho. Moi avec Blanca, je fais IAX Rolling. C'est le puni complètement. Hein. Donc là, dragon met, c'est bon, t'avais gagné. C'est dommage. C'est complètement dommage. Alors pour tuer Bison, faut se mettre à la bonne distance d'un Knipress, et voilà, ou d'une balayette, et tu fais focus dedans. Et alors là, ça tue complètement Bison. Voilà, là par exemple il était. Ah, dommage de pas faire un dragon. Bon, après
après, c'est l'online, hein, donc le saut. C'est normalement, l'un des sauts les plus faciles à punir, c'est celui de Bison. Même si, effectivement, le HP est comme ça, il est assez facile parce que c'est un saut flottant, donc vous avez le temps de le voir. Mais même moi, quand je joue contre Starlet, je n'arrive pas à le punir. Hein. J'arrive même pas. Normalement, c'est super simple de faire MPMP. Je n'y arrive pas du tout. Pas du tout, du tout. Genre les combos de Gef, ils ont rien de plus sympa. Alors, ça, je... Tiens, en fait, Gaga, tu avais dit que le joueur qui était le plus impressionné, c'est Latif. Et pour Latif, c'était Wow. D'accord. Donc, est-ce que par un lien belge, ça veut dire que celui qui m'a le plus impressionné est Wow? Ou alors, quand j'ai vu Latif, j'ai fait Wow? Je laisse réfléchir là-dessus. Oui, John, oui, oui. Il y a deux vidéos de mes matchs au Japon. Moi contre... Il y a trois vidéos, pardon. Moi contre Mago-san, enregistré par Starnable à mon insu. Je ne savais pas. Donc il y a moi, tu marques Gagapa, Mago, tu vas tomber dessus. Et j'ai aussi joué Père Balrog. Donc Gagapa, Père Balrog, Starnable l'avait filmé. Et enfin, il y a mon match nul, Tsugeki, où je me fais tuer bêtement. J'étais bête. En fait, comme on joue avec des écrans qui font le double du mien, je ne voyais plus ma vie. Je pensais que j'avais gagné, sincèrement. Donc j'attendais, j'ai mis ma garde, et en fait j'avais plus de vie. Donc j'ai mis ma garde sur une boule, là, j'ai plus de vie. Donc je suis mort, bêtement. Alors que j'avais poussé l'autre dans le coin, que j'avais préparé... j'étais un peu plus loin. Donc, bon. Bon là, le Oni, c'est pas trop ça. N'oubliez pas, pour tuer un bison, je vous l'ai dit, c'est focus à la distance, un peu plus loin qu'un dash, non, qu'un dash avant shop. Parce qu'évidemment, si vous faites une focus à la distance d'un dash avant shop, il va pouvoir faire bah, dash avant shop. Vous avez compris le truc? Par contre, si vous faites une focus un peu plus loin, vous allez choper les glissades, les knipress, les dash avant HK, les dash avant medium kick, et croyez-moi, ça paralyse Bison. Hein. Faut faire juste des focus au bon endroit. Par contre, au bout de 4 ans, les mecs, faudra peut-être arrêter de se prendre les knipress en corner. Hein. C'est, ça fait 4 ans que je vous arnaque tous avec cette phase. Maintenant qu'elle est démocratisée. Melvie, je ne sais pas ce qui est magique. Au fait, félicitations à Starlet qui est le premier joueur sponsorisé par Shoryupif, donc qui est la team de Montpellier, il me semble, puisque j'ai été au 6e game chez eux. Donc félicitations à Starlet parce que je pense que c'est mérité. La seule chose qui me fait peur, c'est qu'en tournoi, je pense qu'il n'applique pas les match-up. Là, on doit jouer, il n'applique pas les match-up. Donc en tournoi, s'il joue contre des personnes fortes, à mon avis, il va se faire broyer. Mais il faut qu'il soit sponsorisé pour pouvoir aller en tournoi, pour pouvoir jouer contre des grands joueurs et comprendre vraiment le match-up, comment ça se joue. Non, le match-up est assez difficile pour boxeur avec Akan parce que le 360 kick de Akan récupère quasiment tout. Et à la relevée, il y a un imbloquable avec une option select quasiment infinie sur 360 kick. Effectivement, c'est... Voilà, le problème de faire des footsies dans le vent, c'est qu'un perso à dive punit les footsies. Ça, c'est chiant. Voilà, là, il temporise, c'est bien. Voilà, on peut pas sauter comme ça, hein, c'est dragon obligé. Ultra, évidemment. Hey! Ah ça, le backdash était bien joué. Ah, attention. Oh, dommage. Ah, bien joué. Bon, ça sent pas du tout le mec qui a un parti. Bon, moi, je suis toujours pour parti plus faible. Donc, a priori, Big Bang 3, c'est Starlet le plus fort. Ah,
Voilà, ça le HK, vous voyez, à la distance au corps à corps, ça fait chier Yoon, hein, le HK. De loin, ça fait pas chier parce qu'on peut pas anti-air, par contre, de près, on l'empêche de sauter. Hein. Déjà stun, le mec, il a fait deux combos. Bon, Yoon, t'es un petit peu pété encore. Hein. Oui, alors ça, c'est le setup qui sert à rien. Alors, ce qui est bien contre Yoon, c'est qu'on a un très très bon combo caractère spé avec Bison, que j'ai pas réussi à le faire tout à l'heure parce que j'ai passé aucune focus. Et que la seule fois où j'ai essayé de le faire, j'ai réussi à le rater. Non, c'est step jump, c'est. Ah, bien joué. Yek Psycho aura toujours raison. C'est quoi du drop sur le stream? Je ne sais pas. Faut savoir que c'est du 30 FPS, donc c'est normal que... voilà, c'est du 30 FPS. Complètement du 30 FPS. Truc bizarre, là, sur le... Voilà, mon casque m'a décoiffé. Dommage. Moi qui ai toujours une si belle coiffure. Alors DJ, c'est censé être un match-up difficile. Personnellement, je n'ai jamais perdu contre un DJ. À part contre Afi, mais c'était online. Bon. Moi, ce que j'utilise contre DJ, c'est le Bash Punch. Mais décidément, tous les jeunes joueurs qui sont bons, on joue dictateur, hein. Enfin, à part Kusanagi, mais parce que Kimado, déjà, il avait 16 ans quand il jouait machin. Je sais plus qui d'autre était jeune quand il avait joué dictateur aussi. Que j'avais rencontré Stunfest, puis maintenant Starlet qui a aussi 16 ans et qui est bon au dictateur. Dictateur, c'est bien, c'est un bon personnage pour apprendre les jeux de combat, j'ai l'impression. Après, on s'ennuie un peu au bout d'un moment avec, hein. Moi je me fais chier, hein, sincèrement. Chalarix, il a complètement un jeu de balayette. Voilà, ça c'est safe, on peut punir. Par contre là, ça sent hier. Hein. Le saut était complètement pas safe. Hein. Ah dommage, bah l'ultra ne sera pas là. L'ultra doit être prévu dans un prochain épisode. Oh la carotte. Oh la carotte. Alors, bien joué. Non, 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 non. Starlet, après une focus, tu me fais pas un 5 hit combo qui te fait un damage reduce de 40 piges et qui fait aucun stun. Non. Et H punch, ni press. C'est tout. Non mais oh. Olé ! Et ultra ! Penalty pour les Ukrainiens, c'est pareil. C'est-à-dire que tout est heureux. En fait, je suis particulièrement fatigué. Et quand je suis fatigué, je pète un câble. En fait, je suis comme ça tout le temps au bureau. Ça saoule tout le monde. Donc d'habitude, quand je fais des streams, j'essaie d'être plus ou moins sérieux, mais ça, c'est ma vraie nature. Voilà. Je suis joyeux. J'ai envie de dire je suis gay, mais on va encore se foutre de ma gueule. J'ai rien à dire sur ça. Hey, boum. Je crois que c'est à moi de jouer le prochain, allez hop, moi je vais sortir à mon Blanca des ténèbres, non, c'est pas moi, je sais plus. C'est moi ou c'est pas moi? Ah si c'est moi, allez hop, on va sortir Blanca, on va rigoler. Allez, hop, Blanc. Bon, allez, on va sortir Rose, allez hop, Rose, olé, Rose. Soyons fous, c'est pas, je joue pas pour gagner. Hein. Allez, va pour Rose. Luffy style. Passez-moi une manette PlayStation 1, s'il vous plaît. C'est demandé. Manette PlayStation 1, la manette officielle de Rose. Il paraît sur la PS4, il va y avoir des manettes PlayStation Rose. Allez, hop. Complètement, mon perso pété. Le perso, je joue jamais. Mais que j'avais un peu bossé, histoire de comprendre comment ça fonctionnait.
Et boum! Oh, c'est trop pété! Ah mince, pas safe. C'était pas safe ça. Ah, oh, je connais pas bien les... Ha ha ha! Ha ha! Ha ha! Rose is good, dear! Ah, du coup, il y a plein de bisons qui jouent. Tout le monde veut jouer ma rose avec bisons. Bon, je pensais sincèrement perdre. Hein. Je suis désolé, Starlet, c'était pas prévu. Je ne pensais pas que je gagnerais avec rose. Mais quand rose s'est pété, forcément. Mais ça dessous. Ah, ah là, là, là. J'ai raté un combo. J'étais une loufie. Ah.
Voilà. J'arrive pas à jouer quand je suis concentré. Oui, c'est vrai, enfin j'arrive pas à jouer. Je parle pas quand je suis concentré, oui c'est vrai. Bah parce que là j'essaie de jouer sérieusement avec Rose quand même. Comme je connais pas bien personnel, je suis à fond dedans, vous voyez, je réfléchis, j'analyse, j'anticipe. Ah bah tiens, en fait tout à l'heure on m'a dit que c'était difficile de faire des combos avec avec Zangief, alors on va prendre Zangief. Pour déconner, voilà. Là c'est. Ça, peut-être pouvoir en parler un peu. C'est vrai, je me trouve silencieux d'un coup, oui. Je pense que la fatigue fait le contre-coup de la fatigue. Là, je vais m'endormir. En plus c'est pas un comique, le mec il a 15 000 d'épée avec mon petit Zangief tout pourri. Comme une assaille. Alors, allons voir ce que peut faire mon super Zangief. Ah ouais, je me suis fait complètement zoner. Pas peur. Complètement foiré mon Francis. Ah là là là. Bien joué, bien joué, bien joué, bien joué, bien joué. Reste plus que 20 secondes et je fais des erreurs à la fin, moi.
Je suis un carotteur, c'est terrible. Ah, ça lag un peu là. Hop. Salut. Allez, boum. Poubelle. Bon, c'est quoi ces persos trop pétés là, hein? Je joue que des persos fumés ou quoi? Mais ça va avec tous mes personnages, arrêtez de me vanter, s'il vous plaît, arrêtez de me vanter, je sais. Je sais très bien que tous mes personnages sont d'une qualité absolument satisfaisante. Je l'ai complètement volé, hein. EX Malert, quoi? Quoi? Hein? T'as déjà vu cette phrase, hein? T'as déjà vu? Moi j'ai des couilles, moi, monsieur, je fais EX Malert et EX Malert. Tout qui n'existe pas. Bon, du coup, il arrache que de direct, hein. Non, moi j'attendrai pas cette rotée de match pour jouer contre une merde pareille. Hein. Viper, bon, il reste 10 minutes, oui, après, si tu veux, je joue Viper, Astomombo, toute pétée, toute... Non, randomement, parce qu'il y a des persos que j'aime vraiment pas. En fait, c'est à cause de ça. Oh ouais. Excusez-moi, je me marre tout seul parce qu'il y a des phases que je me demande comment ça va encore passer. Voilà, moi ça me fait rire. Ça sort tout seul, ça sort du cœur, vous voyez. Parce que je m'y attends pas du tout à que ça passe, et ça passe quand même. J'ai certainement le zombie le plus crade du monde. C'est officiel. Cette phase. Non, mais voyons, hein, on n'a pas le droit de faire cette phase en 2024. Bon, on m'a demandé de jouer Viper. C'est dommage parce que Yoon Viper, je trouve que c'est absolument impossible pour Viper, mais bon, c'est pas grave. Je peux me faire tuer. Bon, après tous les matchs que j'ai volés, je peux me faire tuer. Par contre, je vous rappelle que dans 10 minutes, j'arrête le stream. Les streams, je m'arrête à 2h parce que je fatigue rapidement. Je suis un vieux monsieur, vous comprenez. J'en reviens toujours pas de ce vol tout pourri. J'espère que vous avez ri avec moi. Moi, ça me fait bien rire. En tout cas, je me moque pas, hein, monsieur. Je ne sais pas qui Oni, là. Je me moque pas. Enfin, ça me fait rire tout seul, en fait, tout bêtement. C'est le truc que j'ai jamais réussi à passer de ma vie. Ah,
c'est une box pourrie. Et voilà, boum boum boum. On va l'appeler Superman tellement je vole bien. Hein? Superman. Ah! Oui, je fais backdash, je fais focus. Je veux dire, j'avais fait backdash, mais non, j'ai fait focus backdash. Forcément, focus backdash, ça se fait choper. Ouais, alors là, je sais pas où j'ai gardé. Je crois que j'ai gardé bas. C'est overhead, hein. C'est overhead, je sais pas en fait. On s'arrête. Voilà, ça lag. Ouh. Allez, boum, boum, boum. Oh non, t'es bleu, t'es jaune, toi. Bon, parce que j'ai prévu de pas gagner, je joue contre toi, Godjarden. Mais tu vois, tu es jaune, normalement, je ne devrais pas jouer contre toi. Règle de base, on joue pas contre les jaunes. Deuxième règle de base, Sonic a une exonération de cette règle. J'espère qu'il n'écoutera jamais ce cast. Hein. Je me fais enlever. Il fait encore chaud chez moi là. J'ai un coup je ferme ma fenêtre, un coup je l'ouvre la fenêtre, froid chaud. Hop là, allez, c'est parti. Ah oui, en plus, il est jaune et il a plein de pépés. Ça sent le vol de l'ail. Ça sent le lagueur de base de qui carotte des points partout. Éteint ton stream déjà, hein, le monsieur jaune. C'est le Viper qui se joue à la frame près avec du lag. Ah ouais, d'accord. Ouais, c'est pas Viper, en fait, c'est Zangief que je joue. Ah, mon chariot fait pas grand point, c'est quoi l'arnaque là? Boum! Il y en a qui ont même work que moi, hein, c'est pas bien. Ah putain, focus! Bande de honteux, espèce de racistophobe. Xénophure. Tu es une sale xénophure. Bon. Ah voilà, maintenant j'ai joué Viper, donc je joue Viper. Alors ce qui est bien avec ma starlette, c'est que Viper, je sens que si je joue Bison, je vais pas faire de feu. Hein. Bison a deux imbloquables sur Viper. A tous les reversals impossibles et inimaginables qui fait bien chier. En fait, c'est que Latif qui arrive à me battre facilement avec Viper, sinon les autres, j'en fais complètement mon sandwich du midi soir. Oh, un Honda. Matchup pas évident non plus pour Viper, mais faisable. Hein. Tupac m'a montré quelques clés. Il m'a dit un truc. On va pas critiquer, hein. On va dire quelques clés. Il m'a donné quelques clés.
Bon, c'est l'avant-dernier match, je pense, parce qu'il est 57, les amis. J'avais dit, à 23h, j'arrête. J'ai envie de prendre un bon bain bien froid. Oui, ça allait, hein, contre le jour, hein. Mais pas trop. C'était jouable quand même, hein. Oh, j'arrive pas! J'arrive plus! J'y arrive! Hop! J'arrive mieux dans un sens que dans l'un autre, moi, pour faire le. Oui, pourquoi pas? Ultra. Ouais, évidemment. Évidemment, l'ultra, ça fait toujours mal. Allez, boum! Bon, allez, dernière. Avant-dernière, ouais. On va dire jusqu'à Meisatsu. FFC, j'ai joué tout à l'heure avec lui en défi, donc bon. Ouais, Bison Viper, là, le match-up est carrément pas pour Viper. Hein. C'est du 6-4 bien 6,9 et bien 4,0. Et pour bien chop, bien crâne. À mon avis. Oui, je sais, ça fait 10,9. Et alors, hein? Merde. Non, mais. Bande de critiqueurs. Bande de critiqueurs. Non, mais enfin, c'est la. Oui, mais Viper Online, c'est absolument injouable. Voilà, imbloquable. Bon, ça va, heureusement, il rate. Vous voyez, je suis à la distance que je vous disais. La distance ou la focus. Et en plus, il fait une grosse erreur parce qu'il joue... Il joue ultra 1. Boum, 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 boum. Je sentais que c'était pas safe. Boum! Boum, 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 boum! Il va vraiment me maudire, Starlet. En fait, Starlet, il me bat en miroir bison, mais je le défonce avec tous mes autres persos. C'est terrible. C'est terrible. Je suis désolé, Starlet. Je suis désolé pour toi. Je t'offrirai un joli mouchoir la prochaine fois qu'on se verra. Bon, les dernières Meisatsu, j'avais dit. Il fait chaud chez moi, j'en peux plus, je vais crever dans 5 minutes. C'était le dernier stream de l'année, hein, je vais mourir. Il fait trop chaud. Trop chaud alors que dehors, il fait trop froid. Donc, c'est stupide. Ça coûte trop chaud. Un coup trop fort.
Bon, j'espère que vous avez appris des choses avec Vapor. Vous avez vu, moi, c'est cette Vapor, c'est Tupac. Je suis en fait, je suis un mélange de Luffy et de Tupac. Je suis Luffpack. Ou je suis Toofy. Ah, c'est bien rigolo, ça, Toofy, d'ailleurs. Je suis con! Je suis con! Allez, hop, on a la même idée! J'ai une super option de select et j'arrive pas à punir avec background point EX. Admettons. Voilà. Alors, bon, si vous voulez apprendre à jouer Rose, à jouer Viper, à jouer Ibuki, à jouer qui vous voulez, vous me demandez, hein, vous avez vu. Je suis capable de jouer tous les persos et de vous emmerder. Bon, sur ce, les amis, j'avais dit que j'arrêtais là. Je voulais d'abord, évidemment, tous vous remercier. Il y a le Steam qui bug, non, c'est bon. De m'avoir suivi ce soir, ce fut bien drôle, ce fut bien sympa. Donc vous voyez, parce que il y a eu un mec quand même hier sur mon stream, hein, je jouais contre un mec qui laguait à mort, ça se voyait. Il y a eu des baisses de frames de FPS à limite à 30, hein. C'est baissé à 5, vous voyez, des gros freezes. Je jouais Ibuki et le mec il me fait, t'es Ibuki est vraiment merdique, ton Rakan est beaucoup plus fort. ça vous donne l'image, voilà. Non, sincèrement, je pense que à partir d'un certain niveau, sans vouloir être vantard, on peut jouer à peu près tous les persos correctement. Surtout que je connais particulièrement bien Dictateur, donc je peux particulièrement faire chier les gens qui jouent Dictateur. Donc vous voyez, je pense que Maibuki, Montblanca, ma Viper, ma Rose, même mon Zangief, même Wakan peut faire chier. Voilà, ça, c'est génial. Bon, évidemment, par contre, ça ne gagne pas les tournois. Qu'est-ce que j'allais dire? Demain soir, je serai à Arca Street pour ceux qui veulent jouer avec moi et la plupart des joueurs connus français, car ça va être un pré-tournoi. Il y a des gens de toute la France qui seront là, donc du coup, on va en profiter pour s'amuser à Arca Street de manière sympathique et ludique. Et dimanche, gros tournoi, 2000 euros de cagnotte, 57 participants actuellement, j'espère. Bah non, remarquez, je dis ça, mais les inscriptions sont finies, donc 57. Participants, c'est tout, mais 57 avec toute la crème de la crème française. Évidemment, il manque Alioune. D'habitude, Alioune vient pour les gros montants, mais cette fois-ci, il n'est pas venu. Renegade sera à la partie, j'ai vu, avec Ibuki. Bon courage à lui s'il tombe sur moi, parce que Ibuki, Dictateur, c'est complètement pas favorable pour Ibuki, sincèrement. Et voilà, tout le monde sera là. Moi, je vais jouer évidemment Dictateur face à Chun-Li, face à Gaël. J'ai ma Ibuki. J'ai ma Viper et j'ai mon Blanca. D'ailleurs, je pense sincèrement utiliser Blanca contre Gaël et contre Chun-Li parce que ma problème de Ibuki et de Viper, c'est qu'il faut une bonne exé et vous vous en êtes peut-être pas rendu compte, mais je rate énormément de choses. Bon, évidemment, quand je fais bas médium ultra alors que je sais pas jouer le perso plus que ça, c'est impressionnant. Je signerai les autographes tout à l'heure. Non. Donc, sincèrement, Blanca, ce qui est bien, c'est qu'il est facile à jouer. Je rate quasiment rien avec lui, alors je rate online, mais offline je rate très peu. Mais j'ai quand même perdu. D'ailleurs, je vous invite à voir le prochain tournoi que je vais uploader sur mon channel YouTube, où c'était ma finale au ranking de Rouen de la semaine dernière.
pour cette raison d'ailleurs que je n'ai pas fait de How to Play, où je joue contre Lachaume. Et je joue contre avec Bison, je joue avec Ibuki et je joue avec Blanca. Donc je vous mettrai tout ça sur YouTube. J'ai vraiment joué tous ces personnages-là en finale. Et j'ai gagné le tournoi à la fin, je vous spoil un peu. Mais ça, c'est intéressant de voir les matchs parce que vous verrez que face à Raj Lachaume, qui a un gros Sagat, hein, c'est quand même connu pour ça. Avec cette personnage-là, je le fais particulièrement chier. Voilà. Bon, après avoir bien parlé de Scato pendant toute la soirée en disant que j'emmerdais tout le monde, je vous souhaite à tous et à toutes une excellente soirée. Moi, je vais mourir de chaud, je n'en peux plus, je vais me vider de tout mon sang, de tout mon liquide pour devenir un pauvre mec tout sec et tout pierreux. Voilà, donc j'ai passé un très bon moment, je sais, je suis super fatigué, du coup je suis super excité. Vous me direz si c'est mieux ou moins bien, sinon la prochaine fois je prends systématiquement 1 g de cocaïne avant de commencer, et on fera toujours les streams de cette façon. Voilà, merci à tous de m'avoir suivi, je vous souhaite à tous une agréable soirée, un très bon week-end, et j'espère sincèrement vous voir dimanche, au moins en tant que spectateur, pour assister au tournoi de Game League. Voilà. Bonsoir à tous, des gros bisous et à très bientôt pour un prochain stream qui sera mardi pour du Blanket ou de l'Ibuki. L'un des deux, on verra au choix du public peut-être. Voilà. Allez, sur ce, bonne soirée, à bientôt.